Tu sais, généralement, on s'identifie aux gens qui nous ressemblent. Il n'y a rien de mal à ça. C'est, en général, c'est comme ça. Tu vois. En général, si tu es un Renoir et que tu vends quelque chose, bah, tu auras plus souvent des clients Renoir. Si tu es un blanc, tu auras plus des clients blancs. Bon, après, le next step, quand même, c'est de s'identifier aux personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont les mêmes croyances que toi. Okay? Mais généralement, tu vois, on s'identifie aux gens qui nous ressemblent. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, bah, je m'identifiais aux Américains. Tu vois, les Américains, les Will Smith, les Denzel Washington. Parce que c'est là que tu vois qu'il y a des Renois qui ont du succès. Tu as l'impression qu'ils sont beaucoup. Bon, nous, on avait Omar Sy. Bon, ok, mais là-bas, les gars, ils sont 50 000 entre les joueurs de NBA, les rappeurs, enfin, des gars qui sont super successful, qui pètent tout dans la life. Eh ben, tu as envie de t'identifier à eux, tu as envie de te dire, waouh, si jamais c'est des gars, tu es un peu fier. Tu te dis, si les gars ont réussi comme ça, peut-être que moi aussi je peux réussir. Bref. Et c'est comme ça qu'après, tu te dis, ah, j'ai envie d'être un Américain. Voilà, et là, tu te dis, j'ai envie d'être un Américain. Tu kiffes leur musique, tu es là, tu danses, tu te dis, ah ouais, ça c'est du lourd. Et tu vois, plus je me suis intéressé à ce qu'ils appellent la black culture, parce que c'est récemment que je parle anglais, hein, les gars. D'ailleurs, au passage, tout est possible, les gars. J'ai redoublé mon BEP trop technique, les gars. Et maintenant, je parle anglais. Donc, je peux te dire. Voilà. Donc, du coup, plus je me suis intéressé à la black culture, plus j'ai compris, en fait, qu'est-ce qu'était la black culture, de quoi ils faisaient la promotion, de quoi ils parlaient, ben, plus je me suis mis dedans, plus j'ai vu la mentalité, et plus je me suis dit, mais en fait, je ne m'identifie clairement pas à ça, en fait. En fait, je ne m'identifie pas à ça. Alors quand je comprenais rien et je savais même pas qu'il y avait une black culture, tout se passait bien, tu vois. Mais là, maintenant que je comprends réellement c'est quoi la black culture, que les gars, à part se tuer entre eux, il y a des morts tous les jours, gars. Ils se tuent entre eux. Et en plus, on connaît les gens qui sont connus, qui meurent. Je te parle même pas des gens qu'on ne connaît pas. Donc les gars, ils font la promotion de la drogue constamment. Alors pas tous, mais quand même c'est une grosse majorité et c'est ce qui fait que ça fonctionne. En tout cas, c'est ceux qui fonctionnent le mieux, on dirait. Donc entre la promo des gangs, de tuer les gens, des femmes qui twerkent n'importe où, qui parlent mal. J'étais déjà. Je commençais à dire, mais non, mais je ne me retrouve pas dans ça. Et après, là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai vu cette vidéo, là, ce petit clip de Monica, la chanteuse d'R&B. Là, quand j'ai vu ça, je te laisse regarder. Du coup, cette vidéo-là, tu vois, juste cette vidéo, j'aurais pu en faire une review. Tu vois, bon, on va en parler quand même vite fait. Tu vois, c'est. Tu dis que t'es une queen. Elles n'arrêtent pas de dire ça, les black women. Ouais, je suis une queen, je suis une queen. Comme si on pouvait être une queen sans être avec un king. Bon, c'est encore un autre débat. Mais je suis une queen, je suis une queen, je suis une queen. Mais la meuf, regarde comment elle agit. Le problème, c'est pas si jamais il y a un gars qui est en train de taper quelqu'un, là, qui est en train de taper sa meuf ou pas, je sais pas déjà. Okay? Mais imaginons que c'est le cas, je suis pas en train de dire ouais ça déchire et que je valide. Non, je valide pas du tout. On est d'accord avec ça. Par contre, ce que je comprends pas dans son comportement, c'est laisse la sécurité gérer. Agis comme une lady, en fait. Agis comme une femme, en fait. C'est quoi ce truc? Il y a que dans notre culture, il y a que les Renois qui font ça. Que les Renois. Qu'est-ce que tu veux faire? La meuf, elle descend comme un bonhomme. C'est un bonhomme. En fait, elle agit comme un bonhomme. Elle est descendue. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, là, je suis dépité, les gars. Tu n'agis pas du tout comme une femme. Après, quand je vois des commentaires parce que elles se plaignent. Oui, dès qu'il y a un gars qui est un Renoir qui est successful, il se marie pas avec une meuf qui est une black woman. Ok? Elles mettent ça à chaque fois qu'elles voient un gars. Elles sont vénères, elles sont pas contentes, elles se plaignent. Mais des fois, j'ai envie de répondre, mais vous êtes remis déjà en question, des fois? Parce que je vois que c'est les commentaires qui ont le plus de likes. Mais
Mais en fait, elle ne veut pas se remettre en question. En fait, elle doit m'accepter comme je suis. Believe all women. Bon, ça n'a rien à voir, mais il est placé quand même. Non, mais attends, c'est normal que les gars, ils préfèrent chercher une femme qui est féminine. Donc, j'ai vu, l'un ne relève pas l'autre. Ni black woman, ni black man. Les gars, ils tuent tout le monde. Ils font la promo de la drogue. Ah, pas tous, hein, mais voilà, en majorité. Les femmes, c'est des bonhommes maintenant. Elle twerk durant le comment ça s'appelle le Black Month History, donc c'est un mois qui est réservé pour se commémorer l'histoire des Noirs. Bon, y en a qui valident pas ça, parce qu'ils disent ouais, pourquoi reléguer l'histoire à un mois des Noirs, les autres communautés n'ont pas ça, pourquoi nous un mois c'est suffisant. Bref, ça c'est encore un sujet, mais bon bref, les meufs elles twerk sous Pizza Hut pour pouvoir fêter ça. Et je pourrais te mettre plein de petits clips où tu vois comment elles sont masculines, etc. En fait, je ne me retrouve pas du tout dans ça. Honnêtement, plus ils embrasent tout ce qui est woke culture, ils sont à fond dedans. J'ai vu une stat, c'était dans la vidéo de Patrick Bette que j'ai vu ça, je crois que c'est 60%, qu'ils soient démocrates ou pas, ou républicains, 60% ils disent ils valident. Donc dans la communauté black, okay, c'est eux qui ont le plus gros pourcentage qui embrassent le woke. Okay, les juifs, les autres, là, tout ce qui est indien, blanc, tous les autres, ils sont en dessous. Les blacks, eux 60%. Voilà. Nous, on embrasse la woke culture et on dit 60% pour, c'était quoi? Est-ce que vous pensez qu'on est un homme de manière biologique ou est-ce que vous pensez qu'on peut choisir son genre après? 60% ont dit, bon, tu peux choisir. Donc, ils sont à fond dans l'LGBT, tout ça, machin. Je me retrouve plus dans ça. Je me retrouve dans rien. Pourtant, il y a un potentiel de ouf dans cette culture, mais il y a plein de choses à éliminer, gars. Évidemment, il y a plein de bonnes choses aussi, mais il y a plein de choses à éliminer. Là, et y a la majorité de ce qu'on appelle black culture, gars, c'est ce que je viens de te dire. Après, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais la majorité de ce que je viens de dire, c'est ça. La promotion de la drogue, gang. Ça se tue entre eux, les femmes qui sont masculines, qui I'm a boss. Donc là où maintenant je me retrouve plus, c'est chez les conservateurs, déjà les conservateurs tout court, dans leur discours, et les conservateurs blacks, voilà, tout simplement, mais de toute façon les conservateurs d'une manière générale, parce que j'écoute tout le monde, je ne fais pas de différence. Et après quand je dis conservateur, attention, en fait, conservateur c'est pas, c'est pas l'extrême opposé, hein. Tu vois, conservateur c'est juste être normal, voilà, c'est juste... Nous, on croit encore entre hommes, femmes. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais nous, on croit encore que, voilà, quand tu nais homme, tu es un homme. On croit encore au rôle entre hommes et femmes. Voilà. On espère déranger personne. Mais voilà, nous, on croit encore tout ce qui est normal. C'est ça, conservateur. Hein. Ce n'est pas un truc de ouf, genre conservateur. Je sais pas. Non, c'est juste la normale. Juste le truc normal de base, voilà. Donc, il y a plein de bonnes choses aussi dans la black culture, évidemment. Déjà, juste le fait de, juste en musique, ce qu'on a pu apporter, etc. Mais ça aurait été bien quand même. Je pense qu'on peut faire mieux. Et du coup, je me retrouve plus du tout dans cette culture. J'avais rêvé de cette culture-là. Je m'identifiais. Mais là, je m'identifie plus du tout. Enfin, je m'identifie, en tout cas, pas ce qu'on appelle la black culture. Clairement que non. En tout cas, il faut la changer ou faut faire un travail en tout cas dessus parce que c'est pas sérieux, tu vois, c'est pas sérieux. Et il n'y a que nous qui faisons ça, il n'y a que nos femmes qui vont dans les, comment ça s'appelle là, sur les tapis rouges, en montrant nos fesses, des robes à moitié nues, il n'y a que nous qui fait ça. Pff, c'est bon, c'est relou là. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'ANAC, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe des 10%, okay, qui s'appelle Zion, où je te partage en fait déjà toutes mes formations. Tu as accès à toutes mes formations, donc comment créer ton business en ligne et avoir toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, comment investir en immobilier, comment investir en crypto, comment... être trader aussi, il y a une formation là-dessus. Enfin, tu auras accès à plein de choses. Tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Ok, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je les dis encore.